Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 665, nan rubrique nou an, ma bible, mon trésor. Encore une fois, nous voulons attirer attention sur l'importance de l'espérance du chrétien. Une existence sans espérance, ça n'a pas de sens. Heureusement, nous les chrétiens, nous ne sommes pas sans espérance. Espérance nous chita sur la personne de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Bon, qu'on y a, nous capables de dire très clairement, il y a deux groupes de personnes ici-bas. Ceux qui espèrent en Dieu et ceux qui désespèrent. Espérance qui pas sorti la caille bon Dieu, c'est une fausse espérance. Li produit déception et c'est très clairement ce qu'on pourrait appeler le désespoir. Zami mouen, tendez bien, celui qui prédit le désespoir et apporte le désespoir dans notre vie, c'est l'adversaire, Satan, le diable. Moi, j'espère que vous connaissez déjà, personnage ça, toujours à chercher, par tous les moyens possibles et imaginables pour le faire perdre l'espoir et l'espérance. Désespoir produit en pile souffrance la caille moun. Et situation ça augmenté davantage les yon moun volontairement li rejeté le salut offert gratuitement par Christ. Même si en réalité désespoir là li capable gagner différents degrés là dans li, mais c'est toujours yon attitude et yon situation très terrible. Li faut perdu principale raison de votre vie et de votre existence ici-bas. Et toujours, yon seule solution qui gagne, l'espérance que Dieu donne. Dans la Bible, nous jouons une situation en pile monde qui est tombé dans la détresse ou bien le désespoir. Tant qu'on nous jouons le prophète Élie en 1 Rois, chapitre 19, verset 4, après la déclaration de Jézabel sur sa vie, désespoiré, accaparé totalement l'homme de Dieu. Et il demandait la mort. Job, dans la situation par là, l'éloi toute bagaille semblait contre lui, il déclarait avec toute force lui, mieux vaut qu'il te mourit. Il souhaitait la mort. Job chapitre 3, verset 11. Job chapitre 6, verset 11. Très souvent, le désespoir nous montre nos limites. Et c'est justement là, certaines fois, où on doit arriver pour capable comprendre dans la vie le commencement de l'œuvre et de la toute-puissance de Dieu. Jésus-Christ est le seul capable de bannir le désespoir dans notre vie, dans notre cœur, et du même coup de nous donner de l'espérance qui se trouve en lui et en lui seul. L'espérance que l'Évangile nous donne est fondée sur la résurrection du Christ. Et c'est la Bible qui dit nous, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. L'infini tout, faut ta gen en pile audace pour ta dire c'est chrétien yé ou ap suivre yon homme qui mourit, qui rete dans ton bois toujours. L'espérance même serait un vain mot. Et le diable aurait toujours son emprise sur votre personne. Heureusement, par la grâce de Dieu, nous avons reçu l'espérance que Dieu nous offre. Et c'est espérance qui ouvrit une grande porte de toutes sortes de bénédictions. Bon, citer pour vous-même quelques bénédictions de la résurrection et de l'espérance que Dieu nous donne. Premièrement, l'espérance nous pousse à vivre dans la pureté. 1 Jean 3, le verset 3. L'espérance aide le croyant à l'heure de la mort à être assuré de l'immortalité céleste. Actes chapitre 24, le verset 15. L'espérance que Dieu nous donne anticipe la venue de Jésus-Christ. Titre chapitre 2, verset 13. L'espérance pour nous autres chrétiens, c'est comme une ancre sûre de l'âme. Hébreux chapitre 6, verset 18. Et 19. Le chrétien est également une source de bénédiction lorsqu'il reçoit l'espérance qui vient de Dieu. L'espérance a donné un nouveau sens à notre vie et à notre tour, par la grâce de Dieu, de redonner un sens à la vie des hommes dont nous rencontrons ici-bas sur cette terre. D'où l'espérance est un privilège et également
l'espérance nous responsabilise. L'espérance nous apprend à vivre pour Dieu, à placer toute notre confiance en Dieu et également à attirer les autres vers cette espérance qui ne trompe point. Et c'est avec assurance nous dit, oui, amis moi, notre Dieu, il est le Dieu de toute espérance. Amen. À la prochaine.